parti. Donc là, ben, la capacité du moteur du Rebelle, c'est ça. Vous avez vu la manœuvre que je viens de faire, comment est-ce que c'était rapide? Ben, le camion va vous tenir sur la route, puis il déconnectera jamais de la route. Puis avec la capacité du moteur, quand tu as un dépassement à faire, surtout sur des routes comme ça, sur une route qui rencontre, c'est la manœuvre la plus dangereuse que vous avez à faire quand vous êtes sur la route, c'est quand ça rencontre. Donc, la capacité du moteur Cummins qu'il y a dans le Rebelle va vous donner une puissance d'accélération qui est très, très, très marquée. Puis là, ben, avec ça, ben, ça vous permet de faire des dépassements rapides, des dépassements efficaces quand que vous vous promenez. Quand vous vous promenez avec, avec votre camion. L'autre affaire, bien naturellement, c'est toute l'assistance que le camion va vous offrir sur l'antipatinage. Donc, quand que je vais être sur la route, quand que je vais être sur la neige, quand je vais être sur les grosses, par exemple, de mauvaises températures de pluie, bien l'assistance électronique du camion va empêcher l'antipatinage, va empêcher des vacillements avec le camion. Puis c'est ce qui va faire que le camion reste très, très, très stable. Puis l'autre particularité que j'aime beaucoup de ce camion-là, c'est quand on l'utilise sur la route, à cause de la façon que la suspension elle est faite, c'est peu importe comment est-ce que la route reste, les roues restent tout le temps au sol. Donc, ça empêche, encore là, ce qu'on veut, c'est une perte de contrôle avec le véhicule quand on est soit dans les courbes ou soit quand on est sur des chemins qui sont accidentés. Bien, le camion va vous garder tout le temps en tout contrôle quand vous allez faire vos manœuvres. Donc, ça. Puis, l'autre affaire que j'aime bien, je vais vous montrer de quoi, OK? Le camion, quand on le prend, puis qu'on arrive, puis qu'il arriverait, je vois juste, je connais quand on va arriver dans la courbe, là, tantôt, là, OK, gardez bien ce qui peut arriver, c'est que des fois, tu vas avoir à faire une manœuvre d'urgence, OK, avec le camion. La capacité du Rebelle, surtout dans le modèle que j'ai là, le 2500, c'est s'il arrive un pépin, OK, oups, là, je peux pas faire ça, parce que les deux madames vont me trouver ordinaire dans la cuve, mais quand tu arrives dans une cuve, puis tu t'as acquitté le pavement, puis roulé sur un côté de route qui est pas pavé, que souvent, il est très, très... Regardez, là, le camion, il y a plein de trous, puis le camion reste très, très stable. C'est ce qu'on veut d'un camion, c'est que s'il arrive un moment d'urgence, bien, à cause de la qualité de la suspension du Rebelle, bien, vous n'aurez pas ce problème-là à avoir un vacillement ou une perte de contrôle, peu importe. Là, je vous ai montré comment il se comportait. Dans la prochaine review, je vais vous montrer comment il se comporte, mais cette fois-là, sur les chemins de gravier.